Salut tout le monde, c'est Romain pour la caméra embarquée. On se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle sortie de DJI, leur nouveau CineWhoop en 3 pouces, et on voit ça dans cette vidéo. DJI frappe fort avec la sortie de ce second modèle. Digne héritier de l'Avata première génération, l'Avata 2 est équipé du nouveau système de vidéotransmission DJI O4, lui permettant un retour vidéo en 1080p 100fps avec un débit allant jusqu'à 60 Mbps par seconde et une latence de 24 millisecondes. En ce qui concerne la portée, DJI s'est surpassé. Comptez 10 km en CE et 20 km en FCC. Il intègre un capteur 1 par 1,3 pouces de 12 millions de pixels, pouvant filmer en 4K 60 et jusqu'à 120 images en 2,7K. Monté sur une nacelle lui offrant 165 degrés de débattement, tout ce beau monde est bien évidemment compatible Rocksteady 3.0, Horizon Steady et Gyroflow. Dans cette même lignée de post-production, vous aurez bien évidemment accès au D-Log M. Étant le drone de prédilection des débutants, il est bien évidemment muni de capteurs arrière et ventraux qui rendent les atterrissages automatiques. Son poids est d'environ 377 grammes, soit 33 grammes de moins que son prédécesseur, lui permettant d'atteindre 68 km/h maximum avec une résistance au vent de niveau 5, soit 38 km/h. Propulsé par une batterie 4S de 2150 mAh pesant 145 grammes, ça permet à la machine de voler environ 23 minutes. Comptez 45 minutes de charge pour une charge complète sur un chargeur de 60 watts. Accrochez vos cartes SD car le débit vidéo de cette machine peut aller jusqu'à 130 Mbps par seconde. Mais rassurez-vous, il possède 46 Go de mémoire interne, de quoi déjà sauver certains plans. Si ces caractéristiques techniques vous ont conquises, sachez que vous pourrez retrouver l'Avata 2 en drone seul, Fly More Combo batterie unique et Fly More Combo 3 batteries. Pour accompagner tout ça, DJI nous sort une nouvelle version de leurs lunettes, les Goggle 3. Elles sont bien évidemment dotées de réglages dioptriques, interpupillaires et d'une batterie intégrée qui nous rappellera les Integra. Les débutants ne sont pas non plus en reste, avec la sortie du nouveau Motion 3. Léger et facile de prise en main, il conviendra à n'importe quel nouveau débutant. Pour plus d'informations, rendez-vous directement sur notre boutique lacaméraembarquée.fr et retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux.